Salut tout le monde, donc content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Alors voici tous les produits que nous avons cumulés, moi et ma petite famille. Donc j'ai pas terminé tous ces produits toute seule bien sûr. Donc nous allons commencer par ce soin de la marque Freeze Is John Frieda. Donc c'est pas la première fois que j'utilise ce produit, je l'achète à chaque fois qu'il est en promo. Donc il était en promo chez Leclerc, donc c'est un 250 ml, ouais 250 ml. Alors il se termine super vite avec moi, pourquoi? Car je dois mettre une grosse poignée de masque sur mes cheveux étant donné que j'ai les cheveux longs, mais je peux dire que ça comme inconvénient. Par contre mon masque de macadamia, je mets vraiment une petite noisette et ça me démêle super bien. Celui-ci non, mais bon c'est pas grave, je le rachèterai, ils sont super bons. Et honnêtement ça, vous avez les cheveux doux en fait avec ce produit. Donc c'est un produit à racheter mais que pendant les promos. Ensuite on continue avec les soins. Donc celui-ci c'est de la marque Oyster. Bon j'ai eu un bug, bref. Sublime Fruit Professionnel Product Cream Nutrition. Donc c'est écrit en espagnol. Donc celui-ci c'est ma Sarah qui me l'avait offert lors de notre swap. Donc ça a 1000 ml et honnêtement il m'a duré plus de 6 mois ce produit. Et ça démêle super bien. L'odeur c'était au miel, ouais, c'était au miel. Moi qui n'aime pas trop le miel, même pour les cheveux, celui-ci il était nickel. Donc ouais, vous avez une grosse mouche là? Ils se foutent de ma gueule les mouches. Sarah, dis-nous où as-tu acheté ce produit car il est top top top. Je l'aime beaucoup. Donc si Sarah nous dit où elle a acheté, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai terminé là une crème oxydante 20. Donc celui-ci, j'achète depuis plus de 10 ans pour faire... vous savez les couleurs, donc il faut mélanger la crème colorante plus la crème oxydante. Numéro 20, je vous le conseille si vous voulez vous colorer les cheveux, il est superbe. Ça coûte dans les environs de 6 € chez les grossistes en coiffure. Ensuite, j'ai pas terminé ce gel douche, ça fait plus d'un an qu'il est dans la salle de bain. Il est pas bien du tout. Donc c'est de la marque N Spa Fruit Tropical Lime and Coconut Cream Shower Sorbet. Donc je l'avais pris chez Fragrance Direct. C'est un produit que je vous le conseille pas. Ça ne mousse pas. Je sais même pas il sert à quoi. Mais bon. Non, je crois bien tropical. Non, c'est même pas écrit crème. Hein, Shower Sorbet. Sorbet. C'est un sorbet. Donc un gros flop. Non, je ne rachèterai pas. Ensuite, nous avons terminé un gel douche de la marque Dove, douche crème au parfum de la pomme d'amour. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je vous le conseille, ça mousse super bien et l'odeur reste sur le corps. Donc, tout le monde connaît ça. C'est un produit que je rachèterai. Ensuite, nous avons terminé le Dove au parfum de la guimauve. Donc, j'ai entendu... Enfin, il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas trop cette odeur. Mais moi, j'aime beaucoup. Mes enfants aiment beaucoup aussi. Donc, si vous aimez les produits... enfin, les odeurs... Il y a un oiseau coincé dans la cheminée, là. Imagine l'oiseau il descend, on fait quoi? Moi je vous conseille, après sentez-le avant de l'acheter, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai enfin terminé mon shampoing sans sulfate de la marque HC Prestige. Donc celui-ci je l'avais acheté à 15 € chez mon grossiste en coiffure parce qu'il n'y a pas de sulfate, shampoing hydratant. Et honnêtement il est bien, je mettais pas une grosse noisette, enfin je mettais pas beaucoup de shampoing sur mes cheveux. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas chez mon grossiste en coiffure. Je vais essayer de le trouver sur les sites et vraiment moins cher et un peu plus grand parce que celui-ci c'est un 250 ml. Donc, pour le prix non je n'achèterai pas, mais si je trouve une bonne affaire oui je le rachèterai.
Ensuite, nous avons terminé ce masque Nutrafix Air Reconstructeur de la marque Giovanni. Donc celui-ci, c'est Sarah qui me l'avait offert lors de notre swap. Et honnêtement, il est superbe, ça démêle super bien les cheveux. Ça est nutritif, protéine, fixe, dommage. Ouais, non, ça va. Je vois si c'est pas écrit en français, non. Je pense qu'elle, comme elle a commandé sur iHerb, c'est écrit en anglais. Mais honnêtement, super même pour les enfants qui ont les cheveux bouclés, ça démêle super bien. Donc, je regarderai sur iHerb un petit peu plus tard et je pense le racheter. Enfin, je pense l'acheter vu que c'est Sarah qui me l'a offert. Ensuite, nous avons terminé maintenant le Dope au parfum de 4 quarts au citron. Donc celui-ci, c'est mon chouchou. Moi, je mettrais celui-ci en première position, deuxième, troisième. Ou sinon, deuxième, troisième. Mais celui-ci, il est trop, trop bien. Je l'aime trop. Si vous aimez l'odeur du 4 quarts, en fait, ah, il est très, très bien. Ça sent trop bon, donc je vous le conseille. Donc oui, je le rachèterai. J'en ai plein là-haut, donc c'est bien. Ensuite, mes enfants ont terminé ce shampoing ultra doux enfant shampoing 2 en 1 à l'abricot et fleur de coton. Donc il ne pique pas les yeux. Ça démêle, oui, ça démêle. Le démêlage est plus facile, mais je suis obligée de mettre quand même un shampoing démêlant juste après ce shampoing. Donc vous n'avez pas. Enfin, il faut quand même un shampoing démêlant. Ils disent démêlage facile, mais bon. Non, il faut un shampoing démêlant pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, voire frisé. Donc oui, c'est un produit qu'on rachète depuis longtemps. Ensuite, mon mari a terminé ce gel douche Axe. Donc celui-ci, c'était lequel? Dark Temptation. Et ils sont, ouais, ils sont super bons. Donc si vous aimez bien les gels douche pour hommes ou sinon pour offrir à votre mari ou autre, je vous conseille, ça sent trop bon et ça reste sur le corps. Par contre, l'odeur, franchement, il reste. Hein. Ensuite, de la marque Eau Thermale Aven, lotion micellaire, c'est un nettoyant et démaquillant et peau sensible, voilà. Donc, c'est la première fois que je testais ce produit. Car j'avais énormément d'imperfections. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc à chaque fois, j'en parle de mes imperfections. Mais maintenant, je sais pourquoi j'ai des imperfections. Donc je connais la raison. Donc ça va encore. Donc celui-ci, c'est un 400 ml. Je l'ai acheté à la pharmacie. Je vous conseille. Ça nettoie en profondeur votre peau. Et c'est vrai, regardez, j'ai presque plus rien d'imperfection. Donc je le rachèterai. Là, j'utilise autre chose de la marque Clinique. Je vais le terminer. Après, je rachète ce produit. Donc si vous avez des imperfections, moi, je vous conseille. Ça ne va pas enlever vos imperfections totalement, mais quand même, ça aide à enlever les imperfections. Et par contre, ils disent nettoyante et démaquillante. Moi, je démaquille que le visage, pas les yeux. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé de la marque Garnier, une solution micellaire tout en un. Donc, celui-ci, je me démaquille aussi les yeux plus le visage. Nettoie, plus démaquille, plus apaise, sans rinçage. Moi, ça me fait pleurer. Ça picote quand même. Hein. Et franchement, il y a des larmes qui coulent. Donc, c'est un grand format, 400 ml. Pour dépannage, franchement, c'est super. Parce que des fois, on ne peut pas acheter des produits super chers. Donc, ça, pour dépannage, c'est bien. Et après, vous lavez votre visage avec de l'eau claire et c'est bon, quoi. Donc, oui, je vous le conseille. Hein. Il n'est pas dégueu, quoi. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche, ce Bubble Butter. Donc, c'est ça qui me l'avait fait découvrir. Je vous l'avais déjà montré lors de mon ancien produit terminé, je rachète ou pas. Donc, j'ai refait une commande chez Maquilalia. Et du coup, j'en ai racheté. Et honnêtement, il est super. Mes enfants, ils aiment beaucoup Strawberry. Donc, ça doit être à la fraise. Ouais, c'est à la fraise. Ça sent trop bon. Donc, en plus, parfois, il est en promo. Donc, la dernière fois, je l'ai eu à 1€ des poussières, je pense. Parce que sinon, il est à 4€ et des poussières. Donc, oui, ça, à chaque fois, si je le vois sur Maquilalia, je le rachète. Ensuite, j'ai terminé ce soin de la marque Dove. Voilà, donc, celui-ci, je l'avais eu en promo chez Cora. Donc, c'est pur, car, sublime, oh, cheveux secs, éternes, masque sans profond. C'est un 200 ml
Et honnêtement, ils sont trop trop bons. Et vos cheveux sont trop trop bons ensuite. L'odeur, il reste encore un petit peu là. Mais l'odeur est nickel. Donc si je le retrouve en période de solde, de promo, ça je le rachète direct. Car franchement, une très très belle découverte. Je l'avais jamais testé. Donc, et dire que j'avais acheté le shampoing, mais il y a du sulfate, donc je ne pourrais jamais le tester. Mais le soin, le masque, il est superbe. Donc oui, c'est un produit que je rachèterai. Donc ensuite, j'ai terminé ce gel douche de la marque Soap and Glory. Donc Clean on Me. Donc celui-ci, je l'avais eu dans mon swap avec Eva. Donc honnêtement, c'est un produit que je vous conseille. Enfin, l'odeur, il est nickel. L'odeur reste sur la peau. Vous pouvez le trouver sur VX ou sinon sur Amazon, un petit peu moins cher. Donc oui, c'est un produit que je rachèterai. Ensuite, mon fils a terminé ce dop au coca. Donc moi, j'aime pas du tout parce que ça fait odeur chimique pour moi. Mais lui, il aime bien. Et à la fin, on s'est même lavé les mains avec. Donc non, je ne rachèterai pas. Mais si mon fils le veut, bah, je le rachèterai pour lui. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing de la marque Sios. C'est le shampoing sans sulfate qui se trouve chez Stokomani. Et ma petite sœur en a vu dans un magasin qui s'appelle Planète Mode. Donc je suis super contente. C'est à 5 minutes de chez moi. Donc du coup, je vais pouvoir aller là-bas pour m'en procurer. Donc toujours au même prix d'€99 ou 90. Donc honnêtement, je vous conseille ce shampoing. Il est superbe. Vous n'êtes pas obligé de mettre énormément de produits sur vos cheveux. Ça mousse comme ça doit mousser. Mais ça va, encore ça va. Il est bien. Et oui, bah, ça va être ma routine. Ça va être ma routine shampoing maintenant. Ensuite, j'ai terminé ce déodorant de la marque Dove. Donc celui-ci, c'est Invisible Dry. C'est pas l'original. Donc celui-ci, c'est quand vous mettez les hauts à top noir, et honnêtement, ça ne tache pas. L'original, malheureusement, ça fait des traces blanches sur les t-shirts, mais celui-ci, non. Par contre, j'ai remarqué avec celui-là, des fois, j'avais des odeurs, et avec l'original, j'en avais pas. Même l'original, j'en ai jamais. Mais lui, des fois, oui, donc, du coup, je me suis retournée à l'original pendant les périodes de l'éclair, donc j'ai fait mon stock. Donc ça, c'est un produit que je rachèterai en hiver, mais pour l'été non. Donc voilà, donc il est ici, le Dove original. Je me mets par là parce qu'on voit pas très bien. Donc celui-ci, il est super. À chaque fois j'en parle, moi c'est number one pour moi. Ça ne fait pas transpirer, ça ne fait pas puer, et par contre ça tache les vêtements. Donc faites gaffe. D'abord, au pire, moi d'abord je mets mon top et ensuite je mets le déodorant pour ne pas tacher mon top. Donc oui, c'est un produit que je rachète tout le temps. Donc celui-ci, ça y est, on a terminé. Il y avait deux lots, enfin deux produits dans un lot. Donc celui-ci, c'est le mousse à rincé de la marque Menem. Donc c'est au Pierre d'Alain. Et oui, c'est un produit que je rachèterai, je vous le conseille. Il est superbe. Ensuite, j'ai terminé cette lotion taudique de la marque Clarins. Oui, 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 j'ai un produit Clarins. Donc à la camomille sans alcool, peau normale ou sèche. Alors ce produit, je l'utilise, en fait il était jaune, hein. Je l'utilisais le matin, franchement ça vous faisait une peau toute nette, fraîche, agréable, et j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc j'attends un petit peu les soldes, ou sinon s'il n'y a pas une promo chez Clarins avec la livraison gratuite avec des petits cadeaux. Mais c'est un produit que je vous conseille. Ça fait du bien au visage de sentir une peau propre, nette, qui sent bon. Donc oui, c'est un produit que je rachèterai. Par contre, le seul hic, c'est le prix. Ça coûte 20€. Mais honnêtement, des fois, il faut mettre 20€ sur un produit pour avoir une peau bien propre. Parce que plus on vieillit, plus il faut prendre soin de la peau. Donc oui, c'est un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé cette crème Clinique Moisture Surge. Donc celui-ci, je l'avais eu en promo avec le site de Clinique. Donc on faisait une commande, on avait ça gratuit, plus 3 échantillons gratuits avec la livraison gratuite. Et honnêtement, ça va, il est bien. Il est un peu bizarre, la texture, c'est comme si on n'avait rien mis. Mais ça pas assèche la peau, mais je sais pas. C'est un truc que... Ils disent c'est pour les peaux déshydratées. En fait, vous mettez la crème
Après, ça sèche et votre peau est sec en fait. Je sais pas si on dit ça comme ça ou pas, mais bon. Crème, enfin gel crème désaltérante, intense peau déshydratée. Donc non, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite, je voudrais vous parler de ce gommage. Donc celui-ci, c'est ma soeur qui m'avait offert l'année dernière. Donc il vient du site Yves Rocher. Donc là, si vous partez chez Yves Rocher, vous ne trouverez pas ce produit car c'est une édition limitée. C'était les traditions de Hammam à l'huile d'argan bio du Maroc. Donc par contre, sur le site d'Yves Rocher, vous pouvez le retrouver avec sa crème. Donc sa crème, j'avais déjà jeté la boîte, je n'avais pas présenté, mais la crème aussi sent super bon. Et donc voilà. Non, peut-être, voilà. Vous voyez les graines là? Honnêtement, vous avez une peau de bébé quand vous faites ce gommage. C'est la première fois que je vois un gommage aussi efficace. Donc, c'est un produit que je vous conseille si vous voulez vraiment enlever les peaux mortes de votre peau. Même sur les jambes, avant de vous raser, vous faites un bon gommage, franchement. Oh, c'est nickel. Donc, moi, si je le retrouve sur le site d'Yves Rocher, je le rachèterai direct. J'ai encore un dope au 4/4, donc là du coup ça m'en fait 4. J'ai terminé cette crème de la marque The Body Shop, donc c'est Body Butter Beurre Corporel, et celui-ci je ne sais plus c'est au quoi, et honnêtement ils sont trop trop bons, il hydrate super bien. De toute façon vous connaissez moi et les crèmes The Body Shop, ça fait longtemps que je les utilise. Et celui-ci, c'est Marjorie qui me l'avait envoyé. Elle m'avait envoyé plein de cadeaux avec plein de produits de The Body Shop. Donc, si tu passes par là, ma chérie, je te fais un gros bisou. Donc, oui, c'est un produit que je rachèterai sans aucun problème. Et pour finir, j'ai terminé le spray coiffant L'Oréal Paris Elnett Satin. Celui-ci, c'est fixation forte. Donc moi, je vous conseille d'acheter ces lacs car ils sont super. Ça n'abîme pas les cheveux. Attendez les périodes de promo de la beauté. Vous en achetez deux, un gratuit. Donc ça vaut le coup. Donc voilà les filles, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !